C'est when it's ready? It's going. Okay. Mon petit monsieur et ma petite madame, Joliane et Émile. Alors, nous allons vous présenter que stipulé dans le contrat, hein, à l'alinéa 4, partie B, que nous avons signé ensemble, je vais vous présenter le gecko, hein, gecko, qui est ici présent et qui va dévorer, sous vos yeux ébahis, un verre que nous pouvons voir ici, là. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir nous montrer ça. Là. Il y a deux petits verres, en fait. Là. Ils n'ont pas l'air top shape, hein? Je pense qu'ils sont morts, hein? Non, ils sont froids. C'est à cause de ça. Ils sont froids. En tout cas, ils ont fret. Ben, en tout cas, c'est pour ça qu'ils sont là dans le verre. Là, on va l'en donner au gecko qui est ici. Regarde, on peut le voir, il est dehors. Alors, il va se régaler. Là, j'en prends un, puis je le mets dans sa boîte. Si tu veux. Oui. Tu peux en prendre un, t'es prêt. Je préfère les pas toucher moi-même. C'est vrai? Ils ont l'air coriaces, hein? Ils sont très froids, en effet. Ils n'ont pas chaud, hein? Alors, on le met ici. Et vous allez voir, le gecko va se régaler, comme qu'on dirait. Je pense pas que le verre va beaucoup souffrir. Alors, il s'en va. Il s'approche tranquillement du petit verre qui est étendu. Oh, voilà! Il l'a attrapé. Oh, regardez! Et c'est incroyable. Il se régale. Alors, je ne sais pas si Émile et Joliane, vous voyez ça de vos yeux vus, là, mais c'est quand même impressionnant. Hein? On peut voir que le verre n'a pas fait long feu. Et croyez-moi, il n'a pas beaucoup souffert parce qu'il y avait fret en tabarnouche. Non, il donne-tu le deuxième tout de suite? Ah oui. OK. Alors, vous allez voir le deuxième ici. Je ne sais pas si le gecko va avoir encore faim. Assez pour ça. Et un deuxième verre, vous allez revoir le gecko manger un verre, partie 2. Ah, viens ici, petit verre, je vais te dévorer. C'est tellement bon, le petit verre, comme ça. Là. Very good, very, very good. I like it so much. Gecko.